compte. Bonjour, bienvenue pour le deuxième podcast de tricot. Aujourd'hui, on a deux châles. Deux châles, des beaux châles et le ravelot. Je vous l'avais promis, il est terminé et il est trop beau. Donc je vous spoil, je suis hyper nulle en anglicisme, mais je crois que c'est le bon terme. Je vous spoil le prochain podcast couture. Voilà. Oui. Je ne vais pas vous montrer quand je suis en train de faire des choses, mais parfois je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous montrer les choses à moitié terminées. Moi j'aime bien voir les choses terminées. Mais je vais vous... Il y a des bruits, hein. Vive le confinement. On est dans un chouette endroit de confinement. Hein. Oui, c'est beau. Et regardez, c'est magnifique cet endroit. Alors. Hop. Hop. Voilà. C'est beau, hein. Alors. Voilà. Eh ben, je vais me changer pour vous montrer. On va commencer par le ravelot. Alors, voilà le ravelot. Donc, je l'ai fait dans la taille 2, qui doit correspondre à un S, je pense. Voilà. Donc, je l'ai fait près du corps exprès. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Alors, j'ai tout suivi comme préconisé. Il n'y a qu'une chose que j'ai fait de différente. C'est que ici, normalement, on laisse qu'une maille entre les augmentations de raglan. Et moi j'en ai rajouté une parce que je voulais que ça fasse un peu marinière et je trouve que ça fait plus marinière quand c'est plus large ici. Ce sera à refaire, je mettrai peut-être 3 mailles au lieu de 2. Voilà, donc c'est un très beau ravelot. Hop, que j'ai hacké puisque normalement il y a une troisième couleur qui fait le bas, que j'aime pas, il fait des bêtises. Avec des côtes. 1-1. Là, des petites côtes, mais pas beaucoup. On relève les mailles, on refait les petites côtes ici. Et en bas, c'est des côtes 2-1. Voilà, je vous laisse admirer. On est bien. On lève les bras, il se lève à peine. Non, il est parfait. La longueur est parfaite. Donc, l'Hélène choisit. Donc c'est une sorte de bleu nocturne, bleu sombre, mais c'est pas un bleu marine. Parce que moi je pensais acheter un bleu marine à l'origine, bon j'étais un peu déçue quand j'ai eu, mais en fait j'étais trop contente. J'ai changé de projet entre temps. Donc c'est un bleu sombre de chez Heidi Heidi, qu'on trouve plus ces mots, c'est énervant. Bon, c'est du mérinos yak et soie. Donc il y a 60% de mérinos, super wash, 20% de soie, 20% de yak. Pour le bleu, c'est ça. Et pour le pépite, oui, c'est la couleur pépite de chez Heidi Heidi aussi. C'est 50% de bébé chameau et 50% de soie. Magnifique. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas fait le dessin. Donc ça c'est les étiquettes. Là c'est. Voilà, allez. Ça se tricote en aiguille 3,5 et 3. Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé mes 3, donc j'ai fait en 3,25. Ça change rien. Voilà. Je suis contente. Je vais le mettre beaucoup. Ça c'est clair. Aucune difficulté. Alors, franchement, ça peut être le premier pull d'une tricoteuse. Hein. On est dans du simple. La difficulté pour une débutante, ça va être les rayures. Moi, j'utilise la technique de bobine et pelote. Je crois que c'est elle qui a dû donner, Eve de bobine et pelote, qui a dû donner l'astuce.
où quand on change la couleur, la première rangée de changement de couleur, on tricote normalement. Et à la deuxième, donc par exemple, je tricotais tout en bleu, je fais mon premier rang jaune, je fais le tour. Et en arrivant pour tricoter la deuxième fois la couleur jaune, et ben là, je glisse cette première maille et je tricote le second tour, le troisième tour, hop, et ainsi de suite. Voilà. C'est bien expliqué par les autres. Donc, je vous conseille d'aller voir ce que disent les autres à ce propos. Bien, et ben voilà pour ce modèle qui est très très joli. Moi, c'est qui l'avait hacké un peu comme ça. C'est Tricomonde de Sophie et Cocotte Knit. Pardon, je me concentre pour parler anglais. Cocotte Knit qu'on fait une sorte de marinière avec le ravelot. Et ben, je trouve que c'est une super idée. Très jolie. Donc là, en bleu, j'ai 8 mailles, 4 mailles jaunes. 4 mailles bleues, 8 mailles bleues, 4 mailles jaunes, 8 mailles bleues, ainsi de suite. En tout, j'ai fait 11 rayures, que ce soit aux manches ou au corps. Vous voyez, hop, ça se correspond. C'est parfait. Ah oui, il y a quand même des rangs raccourcis, parce que c'est pas la même hauteur derrière. Derrière, on est un peu plus haut que devant. Voilà. Enfin, voilà. Du coup, ça gêne pas, on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. Faut bien faire un rabat élastique, hein, sinon, surtout quand il y a de la soie, c'est pas comme quand on est dans du 100% mérino où c'est vraiment élastique de soie. Dès que c'est élastique par essence, quoi, la laine, 100% laine. Alors que quand il y a de la soie, attention, c'est vachement moins élastique et du coup, faut faire des rabats bien, bien souples, hein, plus qu'à l'accoutumée en fait. Voilà quoi. Hop, je l'enlève. Il se détend presque pas au blocage, très, très peu, du fait qu'il y ait de la soie. Quand on a du mérinos, il faut tout de suite prévoir 2 cm au moins au blocage où il va prendre un peu d'aisance. Que là, vraiment, quand on le sort de l'eau, on a l'impression qu'il va prendre. Et en fait, vraiment pas tant que ça. Donc s'il prend 1 cm, c'est maximum. Hein. Moi, c'est pour ça que je fais toujours une taille légèrement en dessous. J'adore quand c'est moulant. Attends. Ok. D'accord, je te montrerai tout à l'heure. Pardon. Les joies du confinement. Mais c'est pas grave. Donc, on reste dans la même laine. On reste dans la même laine de chez Heidi Heidi couleur pépite. En fait, ce qui se passe, c'est que pour mon ravelot, j'ai utilisé les restes de ma couleur pépite. Parce que j'ai fait le châle avant. Donc c'est un châle Caresse Mysore. Il est beau, hein? Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est un beau châle d'été. Un beau châle d'été. Il est léger, fin. Moi, je ne les porte pas souvent en tant que châle, en fait. Pour moi, c'est comme une grande écharpe. J'aime bien. J'aime bien porter comme ça. Mais voilà. Hein? C'est joli. Voilà, on voit les motifs quand même. Oh, je suis désolée, je cherche vache beaucoup mes mots. Ah, on les voit bien là. Hein. C'est beau. Il est très long, par contre. Moi, je l'ai fait comme préconisé. Alors, j'ai un peu galéré à trouver, à être sûre que je faisais bien le motif de dentelle. Donc j'ai cherché des tutos, tout ça, c'était pas évident, évident. Faut être assez sûr de soi pour un modèle comme celui-là. Pour une débutante, non, non, non. Hein. Trop dur, trop complexe, s'y retrouver. Si vous vous trompez, vous n'en savez rien. Enfin, c'est... Voilà, faut avoir un peu confiance en soi pour voilà, pour pas avoir peur de rater ça, quoi. Je suis ravie parce que en fait, il n'est pas dur du tout. Mais faut être confiante parce que et si vous n'êtes pas sûre vous allez voilà, faut être assez rigoureuse pour pas bah, pour pas rater quoi parce que la dentelle bah, quand on rate c'est tout moche hein. Tout moche tout moche voilà ce que ça donne.
Voilà. Ouais. Vous allez entendre les enfants aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'il y en a trois. Il y en a trois, donc quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Puis trois filles, hein, ça a la tchatche. Hop. Voilà. Il est beau. Hein. Moi, j'ai... Ah oui, je voulais qu'il soit plus profond que ce que montrait le tuto. Donc là, moi, il est plus profond que sur le modèle. Donc j'ai fait. Parce que on commence... Oui, on commence par le point mousse. On commence par le point mousse. Non, on commence par la dentelle, pardon. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, je sais pas, fin d'été, printemps dernier. On commence par la dentelle. Après, moi, j'ai rajouté, ouais, pratiquement 5 à 10 cm. Ouais, on va dire 7 cm de point mousse. Et puis après, j'ai suivi comme c'était écrit dans le patron. Donc, vous voyez, il est... Je sais pas comment ça s'appelle, en 2001 ou je sais pas où. Voilà. Hop, je vais vous le montrer de loin. Voilà. Voilà. Bon, moi, c'est que je le trouvais vraiment très joli. Et en fait, je l'utilise vraiment comme une écharpe. Mais une écharpe jolie, puisqu'avec un peu de dentelle. Je suis pas hyper fan de dentelle, donc c'est... peut-être une des seules dentelles que vous verrez, voilà, un petit peu, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais quand je vois d'autres podcasteuses montrer des choses, ah, ça attise ma curiosité, mais voilà, je ferai pas de la dentelle à tout va, voilà, et les châles, moi je les aime bien unis, parce que je trouve que c'est plus facile à sortir, en fait, parce que, voilà, faut que ça sortisse à tout, des pulls, des manteaux et tout, donc voilà, caresse my soul. C'est de qui ça? Caresse My Soul. Que je vous mette. Caresse My Soul de Mélanie Berg. Pardon, le Ravello, je vous ai même pas dit de qui il était. Je ne l'ai pas noté. Oh, je suis nulle. Je le mettrai dans la barre d'infos. Mais bon, il est tellement connu. Ah bah oui, c'est de... Comment ça s'appelle? Elle est hyper connue, elle. Et vous êtes derrière votre écran, vous dites, oui, c'est ma chance, moi. Comment elle s'appelle? Oh, elle en fait un paquet, elle, de patrons. Oh, elle est productive. Un nom, elle a un nom un peu anglais. Je le mettrai en barre d'infos. Moi, quand ça revient pas, ça revient pas. Et donc, le Charisma is Soul, donc le châle de Mélanie Berg. Donc, j'ai acheté 3 écheveaux et donc il m'en restait 2,5. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je vous dise pour ce châle. Pardon. Oh, les lenteurs que ça va donner. Ça va peut-être pas être super cool, mais bon. Voilà. C'est nature aujourd'hui. Nature. Elle dit en option, éventuellement, pour ce, en fait, tout ce côté-là, en option, elle dit... en fait, ah oui, c'est ça. On tricote, en fait. On commence par le milieu et on augmente progressivement. Ça doit être ça. Oh, je sais plus. En tout cas, là, pour tout le bord, elle dit en option faire un jeté avant la dernière maille pour assouplir. Elle dit que c'est en option. Moi, je dirais c'est nécessaire. Si vous ne le faites pas, il va être hyper désagréable. Là, je le trouve déjà un peu raide et je l'ai fait. Donc là, faites-le vraiment, vraiment, vraiment. Il faudrait mettre une alerte. Si, faites-le, faites-le, faites-le. Dès que vous achetez le patron, parce que... C'est dommage, sinon on se rend compte à la fin qu'en fait il cisaille sinon. Donc moi il cisaille pas, mais je ne l'aurais pas fait, je suis même pas sûre que je l'aurais porté quoi. Donc attention à ça. Oh, c'est bien de noter, dis donc. C'est bien. Voilà. Je vous passe à l'autre, au dernier châle que je vous montre. Celui-là, c'est mon chouchou du chouchou du chouchou du monde entier. C'est mon préféré des préférés des préférés. Je le mets tout le temps, sauf en été. Mais sinon, je le mets tout le temps. En fait, voilà. Et c'est peut-être un des seuls que je mets en châle, en fait. Donc, je le mets en châle. Et très souvent, en écharpe. Mais alors, donc c'est en mohair. Hein. Vous voyez comme c'est beau. C'est délicat. Chacun ses goûts, mais c'est d'un classe.
Alors c'est simple, quand je le mets celui-là, tout le monde me fait oh, c'est beau, oh, c'est magnifique. Et quand les gens le revoient, ils font oh là là, je vais t'en commander, je crois, tellement c'est beau. Donc voilà, c'est une laine splendide. Donc je vais vous dire, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma maman qui me l'a fait avant que je commence la couture. Donc c'est un châle qui a 3 ans, qui a bien vieilli, hein. Donc c'est un châle qu'on commence par la pointe. On commence par la pointe et on augmente. Alors on fait des augmentations, 2 augmentations au centre, 1 rang sur 2 et sur les côtés. Alors qu'a fait ma maman, je ne sais pas, parce que les explications sont très concises. Là je vais vous dire de où, parce que vous n'allez pas le trouver facilement sur Ravelry. C'est le châle qui a été fait par le châle Mathilda, il s'appelle, fait par une poule à petits pas. Une poule à petits pas. Voilà. Donc elle a un blog. Donc sur Ravelry, vous pouvez le retrouver. Et il vous mènera en fait sur le lien du blog, parce que c'est un patron gratuit. Et alors, mais il est. Moi, elle l'adore, l'adore. Je crois que tout dépend de la couleur que vous choisissez. Tiens, il commence à ça, il commence un petit peu à feutrer légèrement, ça se voit pas, mais ça se sent un petit peu sur les bords. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il ne bouge pas. Donc, ma maman l'a tricoté avec des pelotes Angèle beige grisé et donc des aiguilles 3,5. Ma tante n'a pas trouvé. Et du coup, elle l'a tricoté en couleur peau de chez Bergère de France. Et c'est un mélange mohair acrylique. Bah ouais. C'est ça. Alors parfois, il y a des très belles laines. Et ben c'est un mélange acrylique. Moi, je suis pas méga fan quand il y a de l'acrylique. Mais je veux dire, quand on a un rendu aussi beau, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Mon chouchou, il est d'un chic. Ça, c'est en fait, c'est. Voilà. On n'a pas l'impression qu'il a été fait main. Enfin, on aurait pu l'acheter autant qu'il aurait pu être fait main. Mais alors, aucune déception pour celui-là. Et en fait, je vous en parle parce que je suis en train de le refaire dans une autre couleur. Tadadadada, un orange vif, orange rouge vif. Donc voilà. On m'a offert. J'ai gagné. Sur le site, pas sur le site, sur le podcast de Tricolibri, j'ai gagné 2 pelotes de mohair de la ferme Fradi. Et du coup, je me lance dans le même châle, mais en orange vif, vif, vif. Alors, je vous montrerai ça la prochaine fois. À chaque fois, je vais vous spoiler le prochain épisode, mais voilà, c'est pour vous donner envie, pour vous tenir en haleine. Donc, j'en ai recommandé 4 pour pouvoir faire le. Hein, il faut ou 3 écheveaux ou 6 pelotes. Des pelotes de mohair, c'est 25 grammes. Donc en fait, il faut 3 fois 50 grammes. Donc il faut 50, 50, ça fait 100. 150, pardon. Elle est lente, elle est lente. Au calcul. Il faut 150 grammes de mohair. Voilà. Donc si vous avez des écheveaux de 50 grammes, vous tricotez en fil simple. Si vous avez du mohair de 25 grammes, donc il faudra doubler à chaque fois. Donc vous utilisez un fil doublé pour faire le joli châle. Donc moi c'est ce que je fais là avec mes pelotes de la ferme Fradi. Fradi dans le Bern. 64. Bern ? Non, 64. Non, 64. Pyrénées-Atlantique, c'est ça. Voilà. Bien. Et ben voilà mon beau châle. Je vais faire une petite suite du podcast. Ah oui, tiens, c'est ça, avec, oh là là, c'est décousu ce que je vous fais, avec le Ravelo. En fait, j'ai tricoté avec les aiguilles, oh, comment elles s'appellent, c'est les aiguilles où il y en a une grande et une petite. Donc je vais vous dire, je vous ai fait une vidéo que je vais vous mettre là juste après pour vous montrer comment je tricote avec des aiguilles normales et en Magic Loop, et comment je tricote avec les mini aiguilles qui, où il n'y a pas besoin de faire du Magic Loop. En fait, ça a un circulaire plus simple. Mes aiguilles sont toutes petites, donc on ne tricote pas tout à fait de la même manière. Donc c'est pour vous montrer la crispation de mes mains, voilà, en tricotant ça. Donc c'est bien,
mais ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Donc si vous avez déjà des douleurs de main, oubliez direct. Mais c'est pas mal. Moi, je les ai utilisés en avion. C'est pratique, ça prend pas de place. On est sûr que ça passe. Voilà. Donc je vous ai prévu ça juste après. Est-ce que je vais commenter? Je sais pas encore comment je vais monter le podcast. Voilà, je vous... Je suis appelée. Je vous dis bon visionnage. N'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous avez pensé du podcast. Moi, j'ai très peu de d'avis. Enfin, j'aime bien me rendre compte voilà, si vous avez aimé. Si vous voulez que j'explique plus de choses, moins de choses. Si vous voulez que je parle plus lentement. Voilà, n'hésitez pas à me commenter, ça me fera plaisir et ça me permettra de me rendre compte de ce que vous en pensez. Le prochain sera sûrement à couture. Ouais, il y a des chances. Ou un bullet journal, je sais pas si ça vous intéresse, mais alors, je me suis mise au bullet journal, j'adore. Ça m'aide en fait à concilier la vie de maman, la vie pro, parce que je suis en libéral. Donc la vie pro, la vie de maman, les tricots et puis les autres projets qu'on peut avoir en perso. Voilà. Donc moi, ça m'aide à m'organiser, à surtout pas oublier les choses, parce que penser à machine, penser à machin, penser à soi, penser au boulot, bah à la fin, la tête, elle explose. Et donc, le bullet journal m'a bien aidée cette année, bah, depuis que je le fais, donc depuis janvier. Voilà. Et ben, à bientôt. J'espère que ça vous plaira, quoi. Je le dis. C'est la deuxième fois que je le dis, non? Voilà, voilà. Allez, je vous finis la vidéo sur les coups de cœur. Alors, dans les coups de cœur, mon premier coup de cœur, c'est un pull très texturé. Moi, j'aime bien les jeux de texture, comme il y en a un qui est très joli, du Pigamon de Maria Mille Design, tout ce genre-là, ce que fait Alice Amer aussi, j'aime bien. Là, celui que je vous propose, c'est le Sumac de Orlan Suc. Je vous écris tout en barre d'infos. Celui-là, je le trouve hyper joli, texturé, mais tout en finesse, assez discret. Donc, je trouve ça chouette. Voilà, c'est bien hein, d'avoir un décor comme ça. On n'aura pas ça toute l'année. Ensuite, donc voilà, je vous le mets de façon en même temps sur la vidéo. Ensuite, le deuxième, c'est un qui est bien pour l'été, hein, parce qu'il est en dentelle, mais ça fait comme un jeu de transparence juste sur le haut. C'est le Bolan de Leila Raven. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. J'ose pas le faire parce que je me dis qu'on verra les bretelles de soutien-gorge, est-ce que ça va être joli, tout ça. Mais en soi, je le trouve trop beau et à chaque fois que je tombe sur la photo, je me dis « Oh, c'est vraiment trop joli !» Donc voilà, ensuite, et le dernier, c'est un pull de Eri. Moi j'aime bien cette designeuse, c'est tout en subtilité, en discrétion, je pense qu'elle est japonaise. En tout cas, ses patrons ressemblent beaucoup à des patrons à la japonaise. C'est le, moi je l'appelle le Tubame, mais il s'écrit Tubame. Donc je sais pas, chacun voit comment il... C'est comme quand on lit un bouquin et que dans notre tête on dit le nom du personnage vraiment à notre manière et que quand on discute du livre avec quelqu'un on dit ah ouais mais je disais pas du tout ça de la même manière. Donc voilà mes coups de cœur que j'aime bien. Ensuite je vais vous parler des trois podcasts que j'aime bien voir. Chaque fois, je vais vous en donner quelques-uns, je pense. Hein. Un des premiers en fait que j'ai connu, c'est Tricomonde de Sophie. Oh, j'adore ses choix, en fait. J'aime bien ce qu'elle a fait, que ce soit en tricot ou en couture d'ailleurs. Et voilà. Je crois que c'est un peu grâce à elle que je me suis mise à la couture quand même. Hein. Elle a proposé vraiment des jolies choses. Je crois que ce qui a fini de m'achever pour la couture, c'est Liz Taylor avec. Avec les tissus qu'elle a sortis, oh ben là j'ai craqué définitivement. Mais c'est vrai que voilà, Tricomonde de Sophie, j'aime bien comment elle fait voilà, ses choix de tricot. Vous voyez, c'est en anti-sèche. Ses tricots, j'aime bien comme voilà, j'aime bien ce qu'elle présente quoi. On la voit moins souvent en ce moment, mais voilà, moi ça m'est arrivé de regarder ses anciens podcasts. Voilà, j'aime bien. Ensuite, en podcasteuse que j'aime bien, ah oui, une très technique que j'aime bien, elle explique bien, elle est rigoureuse dans sa manière d'expliquer aussi, c'est
Bibidi babidi bou. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien ses choix. Et puis j'aime bien, elle explique, c'est carré. J'aime bien certains podcasts comme ça. Et puis, je sais pas, j'écoute en fait. C'est marrant, il y a des podcasts que j'écoute, mais je me souviens même plus ce qu'ils ont dit parce que voilà, j'ai réfléchi à autre chose. Des fois, c'est un peu plus monocorde que là, c'est assez rythmé en fait. Voilà, j'accroche bien. Et puis j'aime bien ce tricot. Je trouve qu'elle a du peps. J'aime bien. Voilà. Ouais. Elle me fait penser à une copine, quoi. Voilà, j'aime bien ce qu'elle présente. J'aime bien, c'est assez varié. Je m'ennuie pas non plus. J'aime beaucoup ce tricot. Ouais, chouette. Et puis voilà, elle parle un peu d'autre chose aussi. C'est sympa. Cool. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah, je finis par un joli truc. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est ça, les herbes de la pampa. C'est beau, hein, dans un jardin. Voilà. Bon, c'est pas du tout moi qui entretiens tout ça. Et en tout cas, on a de la chance de pouvoir faire un podcast dans des conditions comme ça. Hop là. Voilà. Et les grottes. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment les paysages, parce que sinon, le podcast est terminé, donc vous pouvez m'abandonner. Ah oui, et puis après, je vous mets... Pardon, je vous dis n'importe quoi en plus. Après, je vous mets une vidéo sur le Magic Loop avec des petites aiguilles. Oh, je sais toujours pas comment ça s'appelle. C'est pas Xiaogu, c'est... Ah, je sais plus. Que j'ai acheté sur Lily Comme Tout. Il y a une aiguille, une petite et une grande aiguille. Voilà, que j'ai acheté pour faire les manches et les chaussettes sans avoir à faire du Magic Loop. Je trouve ça chouette. Et puis voilà, donc je vous ai montré aussi à titre comparatif voilà comment je tiens mes aiguilles Aya en métal et ces aiguilles là en métal qui sont beaucoup plus petites, et du coup c'est pas la même prise en main. Et moi, avant de les acheter, je me demandais comment on tricote avec en fait. Donc voilà, je vous l'ai fait sympathiquement. Non, ça m'a pris deux secondes un soir, donc la luminosité est peut-être pas top, l'angle est pas facile à faire non plus, mais bon, voilà, pour celles que ça peut intéresser, il y aura ça en fin de vidéo. Voilà, à plus. Alors voici les aiguilles Xiaogu. Bon, j'ai du mal à prononcer, mais il y en a une petite et une grande. La grande est plus pointue, la petite, elle est, ça se voit pas forcément hyper bien comme ça, mais elle est vraiment pas beaucoup pointue. Donc par exemple, pour le rabattage, c'est compliqué. Voilà, ça c'est le défaut que j'ai trouvé. Sinon, je vais vous montrer ce que ça donne pour tricoter. Ça crispe un peu plus les mains, mais voilà ce que ça donne. Le mieux, c'est de voir. Moi, j'ai du mal pour les mailles en verre, surtout. Après, pour les mailles en droit, ça va. Je suis pas mal à l'aise, mais pour les mailles en verre, ça m'oblige à contorsionner mes doigts comme pas possible. Donc voilà, on gagne vraiment. C'est vraiment plus pratique de ne pas avoir à faire coulisser les mailles tout le temps sur une partie du câble. Voilà, là c'est fluide, hein, parce que il n'y a pas besoin de faire des boucles, quoi, autour du câble. Je ne sais pas trop si c'est compréhensible ce que je vous raconte, mais voilà. Bien. Et ben voilà. Et tant que j'y suis, je vous montre que de la maille en droit pour que vous vous rendiez compte. Parce que là, j'en suis au bord des manches, donc j'en étais aux côtes. Mais bon, je peux vous montrer
Pour la maille en droit, ça va carrément, hein, franchement, ça va vite. Pas de soucis. Ouais, vous voyez, aucun souci. Aucun souci pour la maille en droit. Il n'y a que la maille envers où je trouve ça très compliqué parce que, en fait, qu'est-ce qui est difficile quand on fait une maille envers? Bah, c'est que là, en fait, on a moins de prise avec les petits doigts sur la petite aiguille. Et donc, j'ai plus de mal à rabattre mon fil. Voilà, j'ai moins de prise. Je ne sais pas, il y a un truc qui est plus dur à faire. Voilà.